Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, hein, je vous demande à tous de respecter toutes les paroles que nous pouvons entendre ici, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. C'est aussi ça le débat démocratique. Alors j'ai donné la parole au professeur Philippe Juvin, qui est le secrétaire national de l'UMP, si je ne dis pas d'erreur, hein, tu me corrigeras, chargé de la santé, et qui représente ici le candidat Nicolas Sarkozy. Quelle aventure! Quand Jean-Luc m'a téléphoné il y a quelques jours pour me confirmer que je représenterais le candidat Nicolas Sarkozy, connaissant mes positions sur la question de l'euthanasie, moi connaissant les siennes, et ayant une petite idée de l'ambiance qui régnerait aujourd'hui, je me suis dit, finalement, cela fait 30 ans que je le connais, il n'a pas dû beaucoup changer, vas-y, ça devrait bien se passer. Pourtant, il me revient la phrase de Alain, qui disait « Quand 10 personnes dans une salle, et vous êtes plus de 10, se réunissent et pensent la même chose, elles risquent de ne plus penser. » Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument que nous puissions être 11. En fait, mesdames et messieurs, cette question extrêmement complexe au fond de la mort, puisque c'est de cela dont nous parlons, mérite autre chose que des pauses politiques, mais une réflexion que je vais tenter de vous faire partager qui est la mienne et dont je sais qu'elle n'est pas la vôtre. Tu l'as rappelé, Jean-Luc, je suis médecin et depuis 20 ans, je travaille dans un service de réanimation. J'ai vu des gens mourir, seuls, isolés, souffrants, abandonnés par leur famille, par les médecins. La chambre 4 n'est pas suffisamment intéressante, on n'y va plus, on ne parle plus, on ne s'arrête plus à la visite le matin. J'ai connu tout ça. J'ai connu des familles éclatées, parce que c'est loin entre Paris et Berck, quand il faut faire des allers-retours pour voir cette personne qui vous est si chère. Et je connais aussi le ravage de la souffrance et de la maladie, et pas seulement le ravage sur la personne elle-même, mais le ravage dans toute son acceptation large. J'ai vu aussi, et c'est là que le sujet devient complexe, des médecins vous expliquant au début de la garde que oui, tu n'as pas de lit pour cette garde, mais il y a moyen éventuellement d'en libérer un, au cas où. J'ai connu aussi des familles qui venaient me voir pour me dire « Est-ce que docteur, vous croyez que éventuellement, les choses pourraient aller plus vite parce que vous comprenez. » Et les motivations, mesdames et messieurs, ne sont pas toujours aussi nobles que l'on peut l'espérer. Alors, devant cela, nous avons agi. Je le dirai avec un peu d'humilité, nous avons tenté d'agir. La loi Leonetti, dont nous avons parlé, qui, à mon avis, est une très bonne loi et qui a, je vous l'assure, au moins, dans un spectre important de l'activité médicale, dans un spectre important des souffrances des patients, apporté beaucoup et réglé tant de sujets. Et la loi Leonetti a inscrit dans la loi ce qui n'était que dans le code de déontologie, autrement dit, qui n'était qu'une affaire entre médecins. Aujourd'hui, dans la loi,
l'acharnement thérapeutique est interdit. C'est extrêmement important parce que hier, vous diront certains, c'était déjà interdit dans le code de déontologie. Mais le code de déontologie, à qui s'adresse-t-il ? À des médecins qui parlent avec des médecins. Aujourd'hui, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique est inscrite dans la loi et donc s'impose à tous. Nous avons travaillé sur les soins palliatifs. Nous avons créé de très nombreuses places, à la fois de lits, puisque c'est ainsi qu'on raisonne. Et je vous invite à lire, probablement le connaissez-vous déjà, le premier compte-rendu de l'Observatoire des soins palliatifs. Nous avons créé 400 équipes mobiles de soins palliatifs. Au fond, nous avons tenté, avec humilité, de répondre à cette question si compliquée. Faut-il franchir une étape supplémentaire qui est la question de la légalisation de l'euthanasie? Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne faut pas légaliser cette loi. Je vais vous donner 4 arguments. Mais le débat politique, c'est ainsi. Vous les écouterez. Je ne vous demande pas de faire de ces arguments vos arguments. Je vous demande simplement de m'écouter. Ces 4 arguments, c'est que se pose d'abord la question fondamentale de la dignité. Il me revient un travail publié dans une très grande revue qui est le New England Journal of Medicine dans 1992 ou 13, et cette étude avait pour objet de savoir au fond quelle est la volonté de jeunes qui étaient victimes d'un accident de la voie publique très grave qui les rendait paralysés des 4 membres. Et on observait quoi dans cette étude ? On observait que dans les semaines qui suivaient l'accident, ces jeunes demandaient, si cela était possible, de bénéficier d'arrêts de soins, y compris activement. Mais quand on refaisait le même interrogatoire, quelques mois plus tard, les mêmes disaient « Non, je commence à me bâtir un projet de vie. » Et parallèlement, fait troublant, on demandait à la famille, aux équipes qui avaient en charge ces patients, au fond, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que leur vie vaut d'être vécue? Ils répondaient toujours, d'une manière plus pessimiste, toujours, à tous les moments de la maladie, que les patients eux-mêmes le décideraient. Et donc, une de mes préoccupations, au fond, c'est de me dire que s'il existait une loi sur l'euthanasie, quand juger de la validité de la demande? Après l'accident, 6 mois ou 1 an plus tard? Quelle est la valeur de la vie de la famille qui, elle, cette étude le montrait, avait toujours un avis très différent et toujours plus pessimiste que le patient lui-même. Les très grands handicaps et les très grandes maladies, les très grandes souffrances creusent des fossés d'incompréhension dans l'intérêt et le jugement même qu'on a dans l'intérêt de l'existence entre d'un côté ceux qui vivent ces souffrances et ceux qui ne les vivent pas. Alors j'entends, on va faire une loi avec des critères stricts. Heureusement. Chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « il y aura des critères stricts », je dis « oui, heureusement ». C'est quoi ces critères stricts ? Eh bien, vous le savez, un certain nombre de pays, de l'Union européenne, voisins, je prendrai 2 exemples, la Belgique et la Hollande, ont cette loi. Et des gens ont travaillé pour savoir, au fond, si ces critères stricts étaient respectés. Le premier de ces critères, garde-fou important, la liberté, puisque ce que vous voulez, comme moi, c'est l'expression et la possibilité que la liberté s'exprime
C'est ça que nous avons en commun. Le premier garde-fou de ces lois, qui est un garde-fou de bon sens, c'est de dire, au fond, le patient doit toujours donner explicitement son accord. Nous sommes tous d'accord là-dessus. En 2007, une étude financée par le ministre hollandais de la Santé est publiée dans le très sérieux New England Journal of Medicine, le même, objectif, annonce que plus de 500 personnes étaient euthanasiées chaque année aux Pays-Bas sans leur accord explicite. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le travail. Et de la même manière, le New England Journal of Medicine, en 2009, il y a 2 ans, dit qu'en Belgique, la moitié des euthanasies permises par la loi l'avaient été sans l'accord explicite du patient. Je comprends, mesdames et messieurs. Je comprends. Mesdames et messieurs, je vous invite à lire cet article simple du New England Journal of Medicine, pourtant fait dans des pays qui, d'une manière collective, ont accepté et voulu que la loi évolue. Autre garde-fou, le deuxième avis médical. Il est logique, personne n'en disconviendra, qu'il faut un deuxième avis médical quand le patient a clairement exprimé son avis. Eh bien, dans le même travail, 35% des euthanasies réalisées sans accord explicite du patient, j'en suis désolé, n'avaient pas de second avis. Ce que je vous dis là, mesdames et messieurs, c'est une tentative simple d'essayer de voir ce que des gens qui ont travaillé sur ces sujets ont exprimé, ni plus ni moins sans passion. Ces articles, je vous les ai cités que pour que vous alliez les voir et les lire si vous le souhaitez. Je ne souhaite rien vous imposer, ma vérité, elle n'est que la mienne, c'est ma part de vérité. Je vous dis simplement comment nous l'avons faite et bâtie, cette vérité. Enfin, dernier point, la présence d'un psychiatre. Il est prévu, dans un certain nombre de lois, qu'un psychiatre vienne, dans l'hypothèse où le patient puisse être considéré qu'en ne pouvant pas lui-même donner son avis librement, le libre arbitre, donner son avis. Eh bien, dans l'Oregon, en 2010, sur 71 cas d'euthanasie, un seul avis du psychiatre, alors que la plupart des patients semblent, d'après les éléments qui sont visibles sur Internet, pouvoir souffrir de dépression. Moi, mesdames et messieurs, je ne souhaite pas que la mort soit donnée par défaut, et en particulier par défaut d'accord explicite. J'observe simplement qu'ayant lu tous ces éléments-là, j'observe que ce n'est que décrivent eux-mêmes ceux qui pratiquent ces lois qui ont été légalisées. Mon cher Jean-Luc, merci de ton invitation. Je veux simplement vous dire qu'au fond, en tant que représentant d'un parti qui ne souhaite pas la légalisation de l'euthanasie, je pense que le débat, dès lors que nous avons dit ça, ne peut pas s'arrêter là. La question de la solidarité s'exprime pleinement au moment de la mort. Et la solidarité, au fond, c'est une manière d'exprimer cette troisième valeur de la République, qui est la fraternité. Ce que nous souhaitons, c'est que soit exprimé un droit universel aux soins palliatifs. C'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il existe une véritable politique de prévention des demandes d'euthanasie. Renforcer l'encadrement, faire en sorte que les familles, les encadrants, les proches puissent voir les législations sur le travail évoluer pour que vous puissiez, pour que nous puissions librement accompagner au moment où cela sera nécessaire ceux qui sont en train de nous quitter. Moi, il se trouve que je suis maire d'une petite ville pas loin de Paris. Eh bien, j'ai fait évoluer le statut de mon personnel désormais. Quand quelqu'un de la famille du personnel est hospitalisé dans des conditions graves, eh bien, il a le droit, c'est ainsi, nous l'avons décidé, à un congé payé pour pouvoir aller
suivre et accompagner sa famille. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne viens pas vous délivrer ici un message de vérité, c'est ma vérité. Je ne viens pas vous donner une leçon, c'est ce que je pense. Je ne viens pas vous dire ce en quoi je crois. Si je crois au ciel ou si je n'y crois pas, la question n'est pas là. Je suis en train de vous dire que nous ne croyons pas à la loi sur l'euthanasie parce que nous croyons que d'autres pistes sont possibles parmi celles que je vous ai citées d'évolution de la législation, d'accompagnement de ceux qui sont en train de mourir. Jules Romain a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les hommes de bonne volonté ». Dans les hommes de bonne volonté, mesdames et messieurs, il y a des gens très différents. Il y a un de ces volumes qui s'appelle « Les superbes », l'autre qui s'appelle « Les humbles ». Ce sont les mêmes. Des gens différents, comme nous sommes différents sur ce sujet. Mais qui communient dans la même idée que la fraternité doit s'exprimer jusqu'au dernier moment, nous avons simplement choisi une voie différente dans cette expression. Merci de votre invitation. Alors je remercie Philippe Juvin, je crois que c'était pas facile pour lui, mais je lui promets de lui envoyer d'autres études. Et en même temps...